Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Voici, si je ne me trompe pas, la sixième VOD sur Tunic. On a réactivé les quatre monolithes machin qui ont redonné du courant sur un téléporteur qui nous a emmené dans la grande bibliothèque où il y a l'air d'y avoir des expériences sur tous ces mécanismes. On y a obtenu plein de pages de manuels avec des nouvelles maps, des nouvelles infos. Et on a aussi rencontré le bibliothécaire tout en haut, qui est un boss qui a l'air bien énervé. Je me suis barré. Voilà. Et l'objectif aujourd'hui serait de réexplorer d'anciennes zones pour potentiellement y trouver de quoi accrocher notre grappin et découvrir de nouvelles choses. Je pense qu'on va trouver ça. Ou au pire, simplement trouver de quoi faire des offrandes et augmenter nos stats. Comment on descend là? Ça m'agace, tu vois, celui-là. Ah oui, et chose importante, on a découvert que jeter des pièces dans le puits à un certain nombre, ça allait nous donner une nouvelle case pour des pouvoirs passifs. Ce qui est évidemment primordial pour être puissant. Donc voilà, il faut qu'on continue d'ouvrir des coffres pour avoir des sous, pour acheter des grosses pièces d'or chez le marchand. Power Bottom. Il n'y avait pas de quoi s'accrocher là? Il y a encore ce genre de stèle. Ah! Mort! Ah, bah oui, parce qu'il n'y a pas d'énergie. Attends, ça va remarcher. Il suffit juste de réactiver la machine. T'inquiète. Très bien. Bon bah écoutez, l'exploration d'anciennes zones est déjà utile. Moi ? C'est la première fois qu'on obtient ce truc ? J'aimerais bien pouvoir faire une offrande pour avoir de l'endurance. C'est trop fort d'avoir de l'endurance. On va enfin ouvrir le raccourci qui me saoule depuis un moment. Oui. Attends. Ça, c'est le coffre. Il y a le coffre là, je le sais, je le sens. Le coffre. Non? Où suis-je? Oh, je rêve. Je rêve. Il y avait un passage ici depuis le début. Pourquoi j'y suis pas allé là? On n'ouvre pas le raccourci que je voulais. C'est le raccourci que je voulais là. C'est un gros troll en fait ce passage. Et ça sert à rien. Enfin c'est un raccourci mais... Oh vas-y, il m'a saoulé. Donc ça on était déjà venu mais depuis l'autre côté. Donc au moins ça... C'est ouvert, on est déjà passé derrière la cascade, ce genre de choses.
Putain, mais je veux aller là, moi. Oh, ça m'agace. Ah, il y a le puits. Il me faut 3 pièces pour le puits. Pas où est mon perso quand je vais là-bas. Oula. Jalousement gardé dans le temple au sein de la forêt, dérobé jusqu'au sommet des plus hauts cieux, enfermé à la racine même de notre monde. Jalousement gardé dans un temple au sein de la forêt, c'est peut-être là où on est, hein. Une confrontation répétée d'innombrables fois. Loire de Loire. Je sais pas ce que ça veut dire. Loire, Loire. Ah, il a l'espèce de couronne, je crois, dont on a parlé au fin fond de la cathédrale. Je sais plus où. Je sais pas si c'est ça. Le marchand. Combien ça vaut les pièces d'or? Ouf! J'hésite à acheter des bombes parce que c'est quand même très pratique, mais j'ai tellement envie de garder mes sous pour améliorer mon stuff. Sous le sanctuaire de l'Est. Vas-y, on voit rien ici. Est-ce que j'ai une map de cet endroit? Marécage, cathédrale. Domaine des Batraciens, non. Ok. Ça, on a vu. Page 30 pour la map de cet endroit. J'ai pas la page 30. Si, j'ai la page 30. Ok. J'ai envie d'éternuer. Je me suis craché dessus. Mais ça va.
anglais. Héritier. Ah, héritier, bah oui, c'est logique en fait. Enfin, vu que tu disais... Voici ça. En fait, ça me fait penser à Heirloom. De Wu, c'est pour ça. Bref, je suis là. Et il y a ça à activer. Et il y a l'air d'y avoir des sacrées bestioles. Salut Toto. Il y a un raccourci à ouvrir en haut. Pas grand chose, hein. Salut Maoshita. Chemin derrière la cascade. Il cherche deux fois. Alors, ouvrez vos paupières, ouvrez vos gros CNS. Brioche parti, pardon, brioche et bébou, bonjour à tous, brioche touille, brioche white tart, brioche inférieur à trois follow, brioche kiss. Bonjour Lamia. Et le monde n'est pas forcément d'accord sur les paupières ou les gros CONS. Moi, j'entends que les paupières. Oh, une nouvelle carte. Je crois que c'est la carte de la discrétion. Clochette de discrétion. J'imagine qu'il me capte de moins loin les ennemis ou quelque chose comme ça.
Bonjour aussi à Nao Aloza, qui brise le mur de silence de 4 ans de présence pour dire que j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Bah merci beaucoup en tout cas. Et bonjour Alex. Non, mais il y avait écrit pour la clochette, mais il y a juste écrit discrétion, je crois, quelque part. Je sais plus quelle page. Non, il y a même pas écrit. Non, non, clochette de discrétion, quoi, c'est tout. On peut la tester, hein. Je pense qu'il faut qu'on teste un peu. D'ailleurs, on devrait peut-être tester les autres aussi. Oh. C'est une offrande de magie. Non, il se traduira jamais le carnet. Discret là. Ils donnent beaucoup d'argent, eux. Il y a peut-être moyen de farmer ici. Tu peux viser, s'il te plaît? J'appuie sur le bouton pour viser, là. Non? Ok. Apparemment, non. Offrande de points de vie. Il m'a brûlé.
crois qu'il faut faire des roulades pour enlever le feu. Bonjour Arbousier. Allez, une offrande d'endurance là. Une pièce pour le puits. On en a qu'une seule sur trois. Ah, tu penses que ça se stack? Non, mais je crois que de toute façon, l'amélioration suivante, c'était 3 de toute façon. Donc... Non, je pense pas que ça se stack. Bon, j'ai perdu, je suis perdu dans les pages. Le puits! Voilà. Je sais pas, moi, pour moi, j'en ai jeté 3, il faut encore en jeter 3 pour avoir la troisième amélioration, en jeter 4 pour avoir la quatrième. On verra, ça dépend aussi combien on en trouve des pièces, tout simplement. Hein. C'est bon. Tu viens vers moi ou pas, toi? Lui, par contre... Ah non, il a pas plus de vie que ça. Il y a une page. J'adore avoir des nouvelles pages. Je peux faire perspective aide, elle est en haut. Je suis perdu. Ah, le bibliothécaire. Bon, écrit. Sainte-Croix. Ah, il faut peut-être utiliser une arme particulière trouvable à la cathédrale pour que le combat soit plus accessible sur le bibliothécaire. J'ai une astuce par rapport à la perspective, je sais pas si tu veux l'entendre. Oui, je veux bien. En fait, c'est des guides sur les boss, ça peut-être. Si tu appuies sur le bouton de viser, ça bouge un peu la caméra pour mieux voir. Ça, c'est marrant, c'est vraiment, je crois, pile ce que j'ai fait il y a pas très longtemps.
Je crois que j'ai commencé à le capter. La charognarde matriarche. Ziggourat enraciné. Fusil construit à partir de pièces d'auto-arquebuse, mais ne peut tirer qu'une seule fois. Les charognards qui en sont équipés essaieront de garder leur distance. La grande épée du mineur, les charognards l'utilisent pour fracasser les cristaux tout aussi bien que leurs ennemis. Les bombes, méfiez-vous des mineurs qui les utilisent. Ils essaient de ne pas blesser leurs alliés, mais un accident peut arriver si vite. Bon, ce sera dans la carrière, ça, j'imagine. Ouais, ce genre de... Pour bouger un petit peu la perspective quand je vise. Je crois que je l'ai fait vraiment depuis pas très longtemps. Une offrande d'endurance, c'est pour ça que j'économise. Je sors d'un coma sieste. Ah, je connais bien. C'est ce qui m'est arrivé hier. Simplement, hier, je me suis endormi. Bon, en vrai, c'est parce que j'avais mal dormi, donc je me suis rendormi vers midi. Et je me suis réveillé à 15h, là. Le plaisir. Il y a des mimiques dans le jeu? Je sais pas. On verra. C'est possible. Ah, mais j'ai pas réactivé. Encore 400, je peux faire une offrande de magie, non? Ce serait pas mal. Ça va respawn. Hein. J'adore les musiques. J'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu, hein. Tu vois, par exemple, j'arrive pas à cibler celui de gauche, j'ai beau bouger le joystick. Tu le finis aujourd'hui? Oh là, je pense pas, non. Non, non, non. C'est assez long, hein.
C'est long quand on connaît pas, oui. Pas du tout réactivé celui-là. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Tiens! Il est fou lui! Ah, ça c'est un raccourci mais dans l'autre sens. Il est tombé! Lui aussi. Et quand il tombe, il respawn? Ah merde! Ça part un petit peu dans tous les sens, là. Pourquoi il respawn pas là par exemple? N'empêche que j'ai activé la clochette de la discrétion et que j'ai toujours pas capté ce que c'était. Hein. Donc ça c'est le raccourci pour retourner ici, c'est bien, on a ouvert ça. Ah.
Ah, j'ai brûlé les herbes. Bonjour Vinci, bonjour Cieluco. Peut-être que quand je cours, je fais autant de bruit que quand je marche. Alors que d'habitude, quand je cours, je me fais repérer facilement. Je connais pas la réponse, vas-y Pommy, je veux bien ta suggestion. Allez, on a un maxi dildo. Salut Loup-Garout. S'il vous plaît. Sigil Avatar. Encore ? Je pense que ça réduit le champ de vision de l'ennemi. Ouais, c'est ce que je pensais, mais... Je trouve pas... Il gît partout, lui, ouais. Ouh, oh, ma carte préférée. Ouh. Adieu la clochette de la discrétion. Je sens qu'avec ça... Plus vite, hein. Là, je suis pas en sprint. Par contre, j'ai pas compris l'histoire de l'avatar qui gît. Jamais, c'est belle là.
ça régène la vie, ça régène la magie. Et ça, je sais plus, peut-être que ça régène l'endurance, je sais plus, je les ai jamais utilisés. Ça, c'est la potion de glace. Allez, stoppez les suggestions, s'il vous plaît. Nos suggestions. Donc maintenant, je peux activer ça. Ok. Ouais. C'est parti, quoi. C'est bien de viser... Voilà. Je me bloque dans les décombres. Trop compliqué de l'attaquer au corps à corps, lui. Plus de magie, hein. J'ai l'impression qu'il peut se prendre ses propres boulettes, là. Web, je sais pas si encore une fois je peux le faire tout de suite ou non. Comme le bibliothécaire, en fait j'ai vraiment l'impression que j'arrive pas à aller au corps à corps avec lui. Déjà je pense qu'il faut virer ça parce qu'on prend trop cher avec ça, on avait dit. Hein. Celui-là je sais pas ce que c'est. Thank you.
En mode bourrin, t'sais. Peut-être la glace. Peut-être que la glace fonctionne vraiment bien sur lui. Le grappin, à mon avis, ne sert pas. Invoque pas ça là. Est-ce que je mets ça en raccourci? Je suis pas sûr que la glace... bon... J'en sais rien. J'essaie de faire la roulade alors que je cible. Ah, je sais pas, je me prends mal.
C'est un peu bourrin. Hein. Un peu manière bourrin, parce que dès que tu t'éloignes, tu lui laisses la possibilité de faire plein d'attaques. L'enchaîner, finalement, c'était pas mal. Il a pas vraiment fait son pattern, hein, je trouve. C'est quoi ça? C'est comme ça que tout le monde le fume, t'inquiète. Ok. Bon bah, ça me va. Hein. Mais il m'a semblé moins skillé que le précédent boss où il fallait vraiment bien timer. Là, on l'a un peu bourriné, quoi. C'est la clé pour avoir la clé. Bah écoutez, nice. Une sur trois, donc. J'ai l'impression que j'ai laissé des choses derrière. Ah mais du coup ils ont respawn. Ouais, ok. On va se TP. Et puis voilà. Hein. Je sais plus où aller encore une fois. Quand même retourner au début. C'est mon point de spawn. Dans le bibliothécaire, je pense pas. Parce qu'il y avait une page du guide qui disait qu'il fallait... Enfin, j'ai cru comprendre qu'il fallait un objet. La Sainte Croix ou quelque chose comme ça. Salut Avocadro. Non, il faut simplement qu'on revisite des zones et il y a sûrement de quoi s'accrocher avec le grappin. Exactement comme ce qu'on a fait là et découvrir un nouvel accès, quoi. Là, on voit bien la clé rouge en tout cas. Ça, on pourrait aller le voir. On est passé à côté de ce truc.
Il y avait un passage pour y aller. On l'a pas activé. Faudrait voir ce que ça fait. Enfin, il me semble qu'on est arrivé juste à côté. Je sais plus par où, par contre. Qu'elle tombe. Cette fois ça marche, je comprendrai jamais cette histoire de le faire tomber. Une nouvelle carte. C'était ce qui inversait peut-être les potions magie. Ouais, c'est ça. Les potions maintenant rendent de la magie. Pas mal, hein. Par contre, celle-là, j'ai pas compris. Je sais pas. Peut-être perdre moins de pièces en mourant. C'est la carrière, ça? Je sais pas si c'est pas la carrière. C'est vrai que ça ressemble peut-être aux Ziggurat machin. Dans le bouquin là. Ouais. Ça ressemble, hein. Ça ressemble aussi à la carrière. Y a pas mon petit. Y a pas mon petit portrait, donc en même temps. Peut-être pas.
La carrière. Bon, bah, comme ça. Nouveau TP. Nouveau TP. Et on va se mettre le point de spawn ici. Et puis on va s'arrêter pour YouTube. Puisque ça fait une heure pour YouTube. YouTube, des bisous. À bientôt pour explorer peut-être la carrière. Mais j'ai peur qu'il y ait cette histoire de baisse du niveau de santé maximale. On va voir ça la prochaine fois. Des bisous, bye bye.